prendre pour ingénieur en aquaculture et responsable technique de la production à Aquapol SAR. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous dérouler un peu des méthodes pour prévenir l'apparition des maladies dans les fermes. Il sera question ici pour nous de développer l'aspect économique de la chose. Tout d'abord, il faut noter que les maladies peuvent causer des pertes énormes du point de vue économique dans les fermes, car celles-ci peuvent décimer soit une grande partie du cheptel ou alors la totalité du cheptel, ou encore même causer des retards de croissance du cheptel. Ici, nous allons parler essentiellement du point économique de la chose, parce que les maladies, une fois qu'elles sont présentes, nécessitent un traitement, et ces traitements sont le plus souvent très lourds économiquement. Nous avons, entre autres, pour prévenir ces maladies, les fréquences de changement d'eau dans les fermes. Ici, il est conseillé pour une ferme en élevage intensif en eau sorte de changer minimum 2 fois l'eau par jour, soit le matin et le soir. Aussi, il faut noter que le changement d'eau nécessite une technique particulière, parce que si celle-ci est mal réalisée, on pourrait avoir d'autres incidents dans la ferme. Dans un deuxième temps, nous allons parler du traitement de ces maladies-là. Comment administrer les traitements une fois que celles-ci sont dans la ferme. Il est conseillé d'administrer les traitements dans une infime quantité d'eau, une très petite quantité d'eau. Donc, le médicament est mélangé, dilué dans une quantité d'eau et administré aux poissons. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à donner ce médicament par l'aliment aux poissons. Donc, le sachet est déchiré et mélangé à la quantité d'aliment à distribuer. Et par la suite, on distribue aux poissons. Ceci dans le but d'assimiler rapidement le médicament. Donc, comme autre méthode de prévention des maladies dans les fermes, nous avons les méthodes de nourrissage. Ici, j'entends par méthode de nourrissage la manière de distribuer les aliments. La façon dont on distribue les aliments peut causer, entre autres, les pertes d'appétit des poissons ou alors la fuite de ceux-ci. Lorsque les poissons perdent l'appétit, ici nous considérons cela comme une maladie, une pathologie liée à la méthode de nourrissage dans la ferme. Pour pallier donc à ce problème, il est conseillé de nourrir les poissons le plus souvent à un endroit. Le nourrissage ici est considéré comme une manière d'observer les poissons pour nous, parce que lorsqu'on distribue l'aliment, on peut de ce fait observer tout le cheptel de poissons quand ceux-ci viendront pour se nourrir. L'aspect sanitaire aussi est à respecter et à prendre en considération dans une ferme. L'aspect sanitaire ici concerne surtout l'environnement de travail. Il est conseillé, par exemple, pour prévenir certaines maladies, de garder les aliments dans des endroits secs, à l'abri des rongeurs, dans les endroits secs et à l'abri des rongeurs. Entre autres, il y a le maintien de la zone d'élevage. Il est conseillé de constamment désherber et désinfecter le milieu d'élevage, ceci pour éviter l'apparition des maladies. Comme autre cause possible d'apparition des maladies, nous avons par exemple les oiseaux migrateurs. Donc, pour pallier à ce problème-là, il est conseillé de tendre sur le milieu d'élevage ou alors sur les bacs de production des filets anti-prédateurs au-dessus des bacs. Comme autre moyen de limiter les maladies, nous avons constamment l'administration du sel de cuisine dans nos fermes. Ceci pour essayer de tuer quelques bactéries qui sont contenues dans l'eau. Pour davantage d'informations concernant les préventions des maladies dans les fermes, vous pouvez nous écrire directement sur notre page. Laissez un pouce bleu et quelques commentaires pour davantage attirer du monde. Merci.